Allison, tu peux m'aider à retrouver le catalogue des propriétés Skylark avant d'y aller? Bien sûr, j'ai rangé leurs brochures dans l'armoire vitrée. Oh, les voici. Ah, super. Et merci de m'avoir autorisé à partir plus tôt aujourd'hui. Ah, pas tout de suite. Tu as encore besoin de moi? Non. J'ai quelque chose pour toi. Oh, Belinda. Deux places pour Casse-Noisette? Pour ta mère et toi. Je sais vraiment pas quoi dire. Tu es toujours débordée et il faut s'y prendre très tôt pour avoir des places. On se débrouille pour trouver le temps quand c'est important. Un grand merci. J'espère que ça vous plaira. Tu as des projets pour les fêtes? Oui. Je vais chez mon père. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allée. Trop longtemps. Mais une de mes plus vieilles amies a décidé de se marier et j'aurai enfin la chance de rencontrer son fiancé. Oh. Oh, en parlant de ça, faut pas que j'oublie mon rendez-vous au resto avec Logan juste après ma réunion. Le fleuriste lui aura beaucoup moins de travail pendant ta petite semaine de vacances. Oui, et l'assistant de Logan aussi, puisqu'on sait toutes les deux que c'est lui qui s'en occupe. Mm-hmm. Bon, je vais y aller, je dois me dépêcher. Merci pour tout. Je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, tu es là. Je voulais essayer de te voir avant la prochaine réunion. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir Caleb Foster au téléphone. Il a repéré une affaire qui devrait t'intéresser, puisqu'il s'agit d'un bien immobilier qui est dans ta ville natale de Deerfield. Il veut y faire construire des appartements de luxe, mais ça, il vaut mieux le garder pour toi. Des appartements de luxe à Deerfield? Je crois pas que ça sera très apprécié. Oui, je m'en doute. Or, l'acquisition de ce bien nous donnerait un solide argument pour garder notre plus gros client. Tu comprends que pour nous, l'enjeu est de taille. Oui, c'est clair. J'ai contacté l'agent immobilier du coin, il te recevra dès ton arrivée. Un certain Coggins, je crois. Tim. Oui, c'est ça. Un vieil ami. C'était déjà le seul agent immobilier de la ville quand je vivais à Deerfield. Je savais que tu étais la mieux placée pour ce projet. Je t'enverrai tous les documents nécessaires au plus vite. Et Belinda, on compte sur toi pour clore la vente avant la fin de l'année. Pas de soucis. Super. Alors je pourrais dire à Foster que c'est notre toute nouvelle et brillante associée qui a conclu l'affaire. Passe un très bon Noël. Joyeux Noël, Dennis. Est-ce qu'il a utilisé ces mots, nouvelle associée? Ce n'est pas encore officiel. Je n'ai vu aucun des documents liés à la vente et je ne sais pas de quel bien il s'agit. C'est un détail. Tu connais le seul agent de la ville. Ça devrait être un jeu d'enfant. Rien n'est gagné d'avance. Tu réalises ce que ça signifie pour nous? Entre ta promotion et le contrat sur lequel je travaille depuis 3 mois, on va toucher le jackpot. Sauf qu'on va avoir un planning encore plus chargé. On s'en sortira. Et voici pour toi, ma chérie, joyeux Noël. Mais je dois attendre le jour de Noël pour l'ouvrir. Ben, justement, il y a un petit souci. Quoi? Non, c'est la première fois que je rentre chez moi depuis au moins un siècle. Je veux que tu vois où j'ai grandi, que tu rencontres aussi ma meilleure amie, Faith, et son fiancé. Et, wow, et je... tout doux, une seconde. Je dis pas que je serai pas là pour Noël, seulement que je pourrais pas partir avec toi dès demain. Je ferai tout pour te rejoindre. Ça ira. Tu me le promets? Je te le promets. D'un autre côté, comme tu as un boulot important qui t'attend, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être. Alors, tu vas l'ouvrir. C'est magnifique. Attends, c'est qui ces gens? Oui, en fait, c'est la photo qui était déjà dedans. J'ai pas pu en trouver une de nous à temps, désolé. C'est très joli. Et t'as encore quelques jours d'ici Noël pour trouver une belle photo de nous. Voilà, c'est bon, Madame Reynolds. Mais je vous conseille de faire vérifier l'alimentation. Entendu, merci, Dustin. Est-ce que mes yeux me trompent? Suis-je victime d'une illusion? Contente de te revoir, Dustin. Non, sérieux? Vu la façon dont tu dis ça, je suis pas très sûr que c'est l'exacte vérité. Tout va bien, le passé est loin derrière nous. Ben, je sais pas si tu vas le croire, mais je suis heureux de te revoir. Tiens, j'ai vu l'affiche de la chasse au trésor en arrivant. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, tu sais, on est comme ça à Deerfield. On tient énormément aux traditions de Noël. Ah, oui, c'est important. Non, attends. C'est pour ça que t'es ici, pour la chasse au trésor? Non. Je suis ici pour le boulot. Une affaire à conclure. Ah, t'es revenu exprès pour bosser. C'est ça, ouais.
Et pour Pess, elle va se marier et elle a besoin de mon approbation amicale. Oui, j'ai entendu la bonne nouvelle. Dans une petite ville, ça va vite. Alors, et toi? Alors et moi, quoi? Est-ce que je vais me marier? Non, pas pour l'instant. Je suis pas fiancée. J'ai un petit ami qui s'appelle Logan et il va bientôt venir me rejoindre. Voilà, c'est chouette. Et de ton côté? Je suis pas passé loin, mais non. J'ai pas réussi à tenir jusqu'au « oui, je le veux ». Tu tiens toujours pas à tes promesses? Ça, je l'ai pas volé. Ouais, c'est clair. Et elle? Je suis heureux de t'apprendre qu'on a rompu d'un commun accord. D'un commun accord? Waouh, elle a eu de la chance. Ça veut dire que vous en avez discuté, tous les deux. Ça a dû te changer. Bon, je crois que je vais y aller. C'était super de papoter avec toi, mais j'ai encore de la route avant d'arriver chez mon père, alors... Dis-lui que je compte passer bientôt pour voir un peu cette histoire de plomberie. Ok. On se reverra dans une dizaine d'années. Salut, Dustin. Oh, hey, la voilà, ma chérie. Salut, ça va? Je suis content que tu sois ici. Oui. Ça fait un bail qu'on n'a pas fêté Noël dans notre vieille maison. Oh, papa, quand on l'a fêté en ville dans mon appart, c'était pas si mal que ça. Non, aussi longtemps que je suis avec ma petite fille chérie, tout va bien. Au fait, où il est, Logan? Il amène vos valises? Non, il n'est pas là. Ah, tu l'as balancé? Oh, je comprends bien. Ce gars n'a aucune éducation. Il répond au téléphone pendant le repas de Noël. Non, oui, excuse-moi, mais... je me souviens. Et non, je ne l'ai pas balancé. Bon, il viendra me rejoindre plus tard. J'espère que t'as faim. Je meurs de faim. Je vais t'aider. Mets-toi à l'aise. On va tester une nouvelle recette. Allez, installe-toi tranquillement et tu vas m'en dire des nouvelles. On va se régaler. Bon appétit, ma chérie. J'adore comment t'as décoré la maison. C'est vraiment très joli. Merci. Tu te souviens, ta mère aimait beaucoup fêter Noël et je me suis dit que j'avais intérêt à sortir le grand jeu en l'honneur de ton retour. Oui. Tu te rappelles ce qu'elle disait? Il faut profiter de la vie. Compris? Alors profitons-en pour fêter nos retrouvailles. Tu as raison. J'ai croisé Dustin sur le pont. Il paraît qu'il doit venir pour faire de la plomberie. Dustin? Oui, oui, je lui ai demandé. Dis-moi, vous étiez ensemble? Je me trompe pas. Et puis t'es parti à la fac et là, tu lui as dit « Fini, bye !» Il m'a brisé le cœur. Ah bon? Oui, on devait partir ensemble et puis il a changé d'avis à la dernière minute. Non. Arrête, tu sais tout ça. C'est bien que tu sois revenu. Je suis très content. En pied joint, le bien dont il est question. Le musée du textile et l'ancienne filature. Oh. Bonjour. Bonjour, mon petit cœur. Tu as bien dormi? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dormi aussi bien. Ah, tant mieux. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu passeras à la salle des fêtes? On va constituer les équipes pour la chasse au trésor. Ouais, je viendrai tout à l'heure, mais j'ai d'abord un truc à faire pour le travail. Et Dustin, c'est toujours un fan de la chasse au trésor? Ah oui, c'est lui le champion en titre. Il a toujours adoré la compétition. Il piquait une grosse colère, on aurait dit un bébé chaque fois qu'il perdait la partie. Un gros râleur. Je râlais. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je répare la plomberie, comme on me l'a demandé. Ouais. Et... c'est ça. Je me souviens très bien que c'est toi qui as pété les plombs quand t'as perdu face à Wendy Johnson au saut en longueur. J'ai pas perdu. Ils ont pas relevé la bonne marque dans le sable. Dis-lui. Tu sais, ce que je me rappelle, c'est qu'après la compétition, vous êtes revenu ici, j'avais fait un chili géant et vous avez tout dévoré. Mais ton chef-d'œuvre, c'est le rôti en sauce. Ça, c'est gentil. Et il te demandait toujours un râpe de sauce. C'est complètement fou. Oh, tu parles. T'en prenais tellement que ton assiette ressemblait à un océan de sauce avec des îlots de purée de patates. Oui, mais moi, j'avais pas la manie de tout séparer dans mon assiette. Tu fais toujours ça? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Elle le fait toujours. Oui, ma puce. Eh ben, tant mieux. On n'a aucune envie que tu changes. Bon, voilà, ton évier est nickel. Je vais y aller, je vous retrouve tout à l'heure à la salle des fêtes. Pas de soucis, et merci beaucoup. À plus. À tout à l'heure. À plus tard. Encore merci. Ce gars-là, il est super, je te le dis. Ça va, arrête. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est devenu l'homme à tout faire de la ville ou quoi? Oui, enfin dans son temps libre. Sinon, il travaille au musée du textile en tant que directeur des projets de développement. Sérieux? Oui. Est-ce qu'il lui est arrivé de te raconter des trucs sur le musée? Est-ce que ça marche bien ou... Non, pas vraiment. Mais c'est lui qui a suggéré qu'on leur verse les bénéfices tirés de la chasse au trésor et qu'ils soient utilisés pour des travaux de restauration dont le musée a bien besoin. Je crois qu'il leur faudra plus que ça.
Bon, je dois y aller. À tout à l'heure. Salut. Bye. Ça fait longtemps que vous travaillez pour Jasper Development? Ça fait à peu près 2 ans. Je suppose que vous savez que ce vestige du passé est dans une situation difficile. C'est un bien de grande valeur. Mais ça, vous le savez aussi. Oui, bien sûr. J'ai passé beaucoup de temps dans ce bâtiment. Ma mère et moi, on participait à toutes les activités proposées par le musée. J'ai tellement de bons souvenirs. Cette ancienne usine fait partie de l'histoire de la ville. Mon propre grand-père y a travaillé à l'époque où c'était encore une filature, avant la construction du musée. Je ne suis pas sûr de vouloir faire affaire avec un promoteur qui, d'après ce que je sais, veut transformer l'ensemble en appartement de luxe. La décision n'est pas encore prise. J'ai étudié les offres qu'on nous a faites et votre excellente réputation joue en votre faveur. Et comme le musée n'arrive plus à assumer ses dépenses, on n'a pas une grosse marge de négociation. Est-ce qu'il y a encore un moyen de collecter des fonds et de stopper la procédure? Pour être franc, il faudrait au moins un miracle. Un beau miracle de Noël. Bien. Et donc, comment voulez-vous procéder? Eh bien, pour tout vous dire, les gens de la ville ne savent pas à quel point la situation est grave pour le musée. Et je préférerais ne pas ébruiter la chose, sinon ça pourrait causer une vague de colère et de regrets. Il vaut mieux éviter ça en période de Noël. Je comprends. Je suis ravie de vous avoir revu. Oui, moi aussi. Et bonne fête. Merci. Bien sûr que je suis là. Il faut que je m'assure que t'as bien choisi celui avec qui tu vas passer le reste de ta vie. C'est dingue, le reste de ma vie. C'est normal que ça te fasse flipper? Oh non, je plaisante, j'ai tellement hâte. Ah ouais? Jason, voici ma demoiselle d'honneur, Belinda. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Enchantée. Salut, je suis ravie d'enfin te rencontrer. T'as choisi une femme super. Je le sais, on se connaît depuis qu'on est nés. Ouais, Logan, tu m'avais dit qu'il viendrait. Oui, il comptait partir hier et puis... Mais il sera là, bien sûr. Il a eu un petit contretemps au boulot. Je suis sûre que ça va s'arranger. Et quand il sera là, on aura tout le temps de faire connaissance. Sinon, de toute façon, on le verra au mariage. Voilà. Ça lui laisse jusqu'en janvier pour arriver. En parlant de ça, on a plein de choses à voir, toutes les deux. Alors je vous laisse en tête à tête. Oh, je m'éclipse discrètement. À toutes. Alors, vous êtes trop chou. Très heureuse pour toi. Et moi, je suis ravie que tu sois là. Et après le jeu, on va sérieusement se mettre à la préparation. D'abord, j'ai 1 million de photos à te montrer. Mais j'y compte bien. On en parle depuis qu'on a 10 ans, je te signale. Oh, mais oui, je me souviens. À l'époque, je devais épouser Gavin Dawson. Et toi, ton futur mari, c'était Dustin. Mais au fait, il est quelque part ici, tu l'as vu? Oui, il était chez mon père ce matin. Il réparait un truc de plomberie. Et ça va? Oui, t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste que je m'attendais pas à le voir aussi souvent. Mais maintenant, je suis avec Logan. Et toi, tu es avec Jason. Oh, voilà ton père, je pense que ça va commencer. Il va former les équipes, c'est le suspense. Oh, je ne suis qu'une observatrice. Ça, ça reste à voir. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis ton nom sur un bout de papier. Face, non, t'as pas fait ça, ça va être délicat, ça va créer une sorte de conflit d'intérêts. On a besoin de toi. Mason, le boulanger, a abandonné parce qu'il s'est tordu la cheville, donc il va forcément manquer un participant. Ça dure qu'une journée, et c'est pour une bonne cause. S'il te plaît, allez. Ok, t'as gagné. Tout le monde est prêt? Alors, pour les petits nouveaux et pour ceux qui n'ont pas de mémoire, je vais faire un point sur les règles. C'est très simple. La chasse est ouverte demain matin à 8h, alors soyez à l'heure. Attention. Chaque équipe reçoit l'indice suivant dès qu'elle peut prouver qu'elle a réussi à franchir une épreuve. Et tout le monde reçoit les mêmes indices, mais dans un ordre différent. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'on soutient toujours activement les associations de notre ville. Et cette année, les fonds collectés seront versés pour la restauration du musée du textile et de l'ancienne filature. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Bon, allons-y, on va former les équipes. Très bien. Alors attention, je tire le premier papier. Joe Hoover, équipe numéro 1. Et ta partenaire est... Monica Healy. C'est parti! Regardez-les, ils sont très contents. Ensuite, équipe numéro 2. Ah, bon, d'accord. Ce papier porte deux noms. Face Wheeler et Jason Wick. Oh, ouais, Dustin Cooper. On le connaît tous et on l'adore. Qui sera le partenaire de Dustin? Alors, voyons. Ta partenaire, c'est... ma propre fille, Belinda Phillips. Voilà, les jeux sont faits. Je crois que ça va être un vrai cauchemar. Non, ça va bien se passer. T'es avec Logan, le reste est du passé. On passe à l'équipe numéro 4. Salut, partenaire. Est-ce que je me trompe ou on a déjà fait équipe? Oh, mais oui, c'est vrai. Tu te souviens? C'est comme ça que vous êtes sortis ensemble au lycée. C'est trop mignon. Je viens d'avoir une idée. Les pivoines feraient très bel effet dans mon bouquet de mariée. Je vais vite en toucher un mot au fleuriste. Bye. On y va. Oh,
bien. Alors, je crois... Alors, on dirait que t'as changé d'avis. Non, c'est Faze qui a ajouté mon nom pour que je remplace Mason qui est blessé. Ah, en tout cas, c'est très gentil de nous aider à restaurer un lieu historique de la ville. Si tu le dis. Bon, puisqu'on est censé former une équipe, on devrait peut-être s'entraîner à communiquer. Tu sais ce que ça veut dire? Discuter ensemble, ce qu'on va faire, et ensuite ne pas dévier de ce qu'on a promis de faire. Oui, je suis d'accord. T'as raison. J'entends ce que tu dis 5 sur 5. Super. On va enfin se comprendre, alors. Je l'espère. T'es toujours aussi belle. À demain. Passe me prendre, ok? Allô, Dennis? Bonsoir. Alors, ça se passe comment? J'ai vu Monsieur Coggins aujourd'hui et la vente est en bon chemin. Excellente nouvelle. J'ai appris que les habitants voulaient collecter des fonds pour la restauration du bâtiment et c'est vrai que c'est tout un pan de notre histoire. Toi et moi, on sait bien que ça n'y changera rien. Appelle-moi quand ce sera signé, Belinda. Oui, bien sûr. Alors la vieille usine va être vendue, c'est ça? Désolé, j'étais pas loin. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je suis désolée, je t'ai rien dit parce que je l'ai moi-même appris ce matin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est un lieu qui a pris beaucoup de valeur, avec les pieds dans l'eau. Tu fais que ton travail, ma puce. J'en sais rien. C'est pas facile, je sens que cette fois, c'est différent. D'habitude, mon travail n'affecte pas grand monde. Il touche pas des gens que je connais, pour qui ce bâtiment représente beaucoup. J'ai pas envie d'être celle qui vend son âme au diable. Si tu fais pas cette vente, quelqu'un d'autre s'en chargera, alors te prends pas la tête. Je suis très fier de toi parce que tu travailles dur. Peut-être, mais maintenant, je suis piégée dans cette chasse au trésor avec Dustin. Lui qui pense justement que si on participe à ce jeu, c'est pour aider le musée. Comment je vais faire pour paraître naturelle? J'aurai l'impression d'être une grosse hypocrite puisque je sais que les fonds collectés ne feront strictement aucune différence. Il faut que tu lui dises la vérité, avec tous les tenants et aboutissants. Dustin te connaît par cœur. Il va pas te juger. Tout ira bien. Je t'adore, ma fille. Tu sais ça? C'est fou, cette chambre. Ouais, j'ai honte. Ben, y a de quoi. Allez, viens. Salut. C'est le grand jour. Prêt à défendre ton titre? Ça va être un jeu d'enfant, j'ai une super partenaire. L'équipe de choc sert à former. À vous de jouer. On va voir. Mais oui, on verra. Salut. Bye. Allez-y, c'est l'heure, on se retrouve à la salle. On peut s'arrêter pour prendre un café? Il est devant toi, avec de la crème et 3 sucres. Merci. Bon, j'ai besoin d'une partenaire brillante, ok? Quoi? T'as peur que je sois pas à la hauteur? Non, je sais à qui j'ai affaire. Et au cas où le café ne suffise pas à te tenir en forme, j'ai aussi emporté un kit de survie. C'est toi qui as fait ces biscuits? Absolument. Je pouvais pas faire moins, vu tout ce que ta mère préparait pour toi à l'époque. J'ai bien fait de sauter le petit-déj, alors. En route, il est temps d'y aller. À tes ordres, voici la Belinda 2.0, efficace et concentrée. Il faut bien qu'un de nous le soit pour décrocher la victoire. Tu sais que c'est moi le champion en titre de la dernière édition? Je le serais, moi aussi, si je n'étais pas partie. Allez, fonce. Bonjour à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Vous avez jusqu'au dernier coup de minuit pour accomplir toutes les épreuves à partir des indices qu'on vous a fournis. On est d'accord? Ouais. Sortez vos téléphones. On va vous envoyer le premier indice. Tout le monde est prêt? Attention, à vous. Alors, vas-y. Premier indice. On en trouve des petits et des grands, tout le monde sera content. Ils apportent de l'oxygène, tu parles d'une aubaine. Leur vert ombrage domine les plaines. Heureusement que j'ai mon pick-up. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dans la forêt. Et en ville, tu le trouves où, ton sapin? En fait, je me contente d'acheter un petit modèle en magasin. Alors ton père a bien fait de venir en prendre un vrai? Il a dit que c'était important parce que tu revenais passer Noël ici. C'est toi qui t'en es occupé? Non, pas du tout. Enfin, je l'ai emmené ici, j'en ai choisi un, je l'ai coupé, emporté chez lui et déposé où il voulait. Ah oui, d'accord. J'aimerais revenir le voir plus souvent, seulement je suis débordée par le boulot. T'inquiète pas, je comprends. Et à ce propos, ça se passe bien?
Très bien. Je grimpe les échelons petit à petit, donc je suppose qu'ils sont contents de moi. On m'a proposé d'être associée à part entière. Sérieux? Ouais. C'est super. Cela dit, ça m'étonne pas. D'après mes souvenirs, tu excelles dans tout ce que tu entreprends. Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parfois, j'ai des affaires qui sont un peu plus délicates. D'ailleurs, j'ai un contrat à faire signer avant d'avoir ma promotion, et à ce sujet... Une seconde. Attends, ça y est. Je l'ai trouvé. T'en es sûr? Il y a un grand trou quand on vient de ce côté. Où ça? Ah. Je crois qu'on peut mieux faire. On vient à peine d'arriver, regarde tout le choix qu'on a. Celui-là. Ah oui. C'est lui. C'est lui. Tu peux y aller, c'est bon. Oh oui, tout de suite. Je peux savoir pourquoi t'es pas allé jusqu'au mariage? Oh, je crois qu'au début, on était tous les deux à la recherche d'un truc et on a cru qu'on l'avait trouvé l'un chez l'autre. Et puis, on s'est aperçu qu'on s'était trompé. Mais ça s'est bien passé, parce que... on l'a compris avant que ça tourne mal. En parlant de ça... est-ce qu'il compte te passer la bague au doigt, ce gars, ce... il s'appelle Logan, c'est ça? On s'entend bien, on a des points communs. En ce qui concerne le travail... et d'autres choses. Super. Ça veut dire que t'as trouvé le bon. Peut-être, c'est pas ce que je cherchais quand je l'ai rencontré. Bah... tu sais ce qu'on dit, le hasard fait parfois bien les choses. Tu sais où ils atterrissent, les sapins de cette chasse au trésor? Oui, oui. Ton père a fait en sorte qu'ils soient offerts à la maison des seigneurs de la ville. On les livre rapidement, pour qu'ils les aient à Noël. Tu crois qu'ils nous en voudraient si on la porte ailleurs? À quoi tu penses? Tu vas le savoir. Les clés, s'il te plaît. On est bien chez James Brogue? Oui. Ma mère lui rendait souvent visite, et moi, parfois, je l'accompagnais. Je le trouvais marrant. Il posait plein de questions sur ce qui se passait en ville. Ah. Ici, on est loin de tout. Il a toujours vécu en solitaire, non? Oui, il n'a pas vraiment de famille, si j'ai bien compris. Ce qui est dommage, vu qu'il a fait fortune dans le pétrole il y a quelques années. Je pense qu'il doit se sentir un peu seul, en particulier pendant les fêtes de Noël. Ah, c'est pour ça qu'on lui apporte le sapin. T'as deviné. T'as pas changé, t'es toujours la même. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur Brogue. On vient vous livrer votre sapin de Noël. Tu n'es pas la fille de Christie, Belinda? Oui, c'est bien moi. Je suis contente de vous revoir. J'aurais voulu venir plus tôt, monsieur Brogue. Oh non, je t'en prie. Appelle-moi James. Entrez, entrez. Non, vas-y. Je m'en occupe. Je les ai. Elles ont peut-être ramassé la poussière, mais tant qu'il n'y a pas de casse, elles feront l'affaire. Waouh, elles sont superbes. Oui, elles me viennent du côté de la famille de ma mère. Elles ont fait tout un voyage en bateau, ensuite en train. C'est un miracle qu'elles soient encore entières. Elles ont été peintes à la main? Bien sûr. Tu sais que tu as les yeux de ta mère? Et tu as aussi hérité de sa gentillesse. Merci. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Eh bien, je crois que Dustin vous en dira plus que moi à ce sujet. Ça fait quelque temps que je suis partie. Je me souviens que ta mère parlait d'un garçon qui s'appelait Dustin. Elle disait que sa fille était folle amoureuse de lui. Elle parlait de toi? Oui. C'était moi, je crois. Enfin, j'espère. Bon, et si on disait à Monsieur Brogue que si on est passé chez lui, c'est grâce à la chasse au trésor? La chasse au trésor, ça se fait encore? Oui, Belinda et moi, on est en plein dedans. Bah alors qu'est-ce que vous faites ici? Dépêchez-vous d'aller résoudre toutes les énigmes. Je veux surtout pas vous ralentir. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. J'avais vraiment très envie de vous faire une petite visite. Et je vous promets que je repasserai avant mon départ. Mais là, on va vous laisser. Ouais, on y va. Si ça vous dérange pas, il faudrait qu'on ait la preuve qu'on a trouvé le sapin. Vous pouvez nous prendre en photo? Bien sûr. Merci.
Allez-y, serrez-vous un peu plus. Encore un petit peu plus. Voilà, parfait. Ok, je note. Allez-y. On est là. Hé, hey, j'ai bien reçu la photo. Félicitations à vous deux. Votre sapin est magnifique. Ah, c'est Logan, désolé, je dois répondre. Ah ouais, j'ai aussi un texto à envoyer, je reviens. Ouais, d'accord. Je continue. Allô ? Ah, salut. Je viens aux nouvelles. Est-ce que le contrat est signé ? Je pense que ça va le faire. Et toi, t'as une idée de quand tu pourras me rejoindre ? Il me reste encore une réunion importante. Ensuite, je saute dans le premier avion. Tu me manques, toi aussi. T'es trop mignon, je t'adore. Oui, d'accord, à très vite. Mmh. Très subtile, la tactique. Laisse tomber. Ok, ok. Alors, tout va bien ? Ouais, ouais, super. Bien. Oh, voilà la suivante. Je m'élève seul dans la blanche froidure, j'aime le silence, c'est ma nature. Je suis une pure création, le produit de ton inspiration. Je ne suis pas à vendre, car je risque de fondre sous les rayons d'un soleil trop tendre. J'ai compris, faut faire un bonhomme de neige. C'est comme si c'était fait. À plus. Salut. Mountain Bridge, ce pont rappelle tellement de souvenirs. Si je me souviens bien, c'est là qu'on a échangé notre premier baiser, et qu'on a gravé nos initiales. On a vraiment fait ça? Ouais. Y a aucun doute. Ah. L'endroit parfait pour l'abominable homme des neiges. Oh non, tu vas pas ressortir ta théorie sur Bigfoot. Je suppose que tu veux parler du Yeti, vu que Bigfoot est une créature imaginaire. Ces monstres sont des légendes urbaines. Toi aussi, t'as vu les traces de pas de tes propres yeux. On était les petits nouveaux cette année-là, et l'équipe d'athlétisme t'a fait une blague. Quoi ? Mais tu crois qu'ils étaient assez doués pour dessiner des empreintes de pas ? Ça, j'en ai la preuve, puisque toi t'y as cru. Mais j'ai vu une silhouette. Sauf que c'était pas le monstre de la forêt, c'était Toby qui avait enfilé une sorte de déguisement. Mais ça avait l'air tellement vrai. Je t'accorde que t'avais une excuse parce qu'il faisait noir autour du feu de camp, mais tout ce que t'as vu, c'était des ombres qui bougeaient dans le noir, c'est tout. Tout le monde hurlait autour de moi. Tu crois ? Tout le monde criait ou bien tu t'es fait tout un film ? Ah, je vois, t'étais dans le coup. Ah, possible, très possible, mais je t'ai protégé, je te serrais contre moi, tu te souviens ? Je t'ai laissé faire parce que j'étais congelée. Je crois que tu me trouvais irrésistible, et c'est pour ça que personnellement... Oh, alors, comment ça se passe ? On dirait que ça colle bien entre vous. Oui, ça va, on se replongeait dans... des vieux souvenirs. Oui, et l'un de nous a une mémoire sélective. On aimerait beaucoup faire les arbitres, mais on a une chasse à remporter. Mm-hmm. Vous n'avez aucune chance. Aucune. Si c'est ça la stratégie d'équipe que vous avez choisie, on aura passé le deuxième tour avant que vous ayez fini de vous disputer. On ne se dispute pas. Vous êtes au moins d'accord sur un truc. Et je vous signale que vous n'arriverez pas à la cheville de notre création. On en a la preuve ici. Ouais, c'est ça. Bye. L'heure tourne, faut pas traîner. Bye. Oui, bye. On peut faire mieux, aucun c'est sûr. Aucun problème. Non ! Allez, vite ! Attends, regarde ce que j'ai. Oh, c'est très joli. Ouais, je trouve aussi. Et une photo ? Je l'envoie tout de suite au quartier général. Parfait, c'est super. Y va. Très bien. Ça en fait deux. Il en reste huit. Qu'est-ce qu'il y a ? Me dis pas que tu m'en veux encore pour cette histoire de Yeti. Non, je m'en suis remise il y a 10 ans au moins. Quand même. Au cas où tu serais toujours en colère, j'ai apporté de quoi te redonner le sourire. Mes biscuits préférés. Je les ai retrouvés. Écoute, je voudrais te dire... Désolé. Non, non, toi d'abord, vas-y. Non, je t'écoute. Si on marchait un peu. Je sais que tu m'en veux de pas être parti avec toi pour étudier à la fac, alors qu'on avait tout prévu. Et en quelque sorte, c'est vrai que je t'ai lâché, mais... J'aimerais te dire pourquoi. C'est pas l'envie qui me manquait. Mais c'était impossible. Mais pourquoi ? Quelque temps avant notre départ, j'ai appris que mon père n'avait plus de boulot. Je
savais que ma famille allait en baver, alors... j'ai trouvé un job et j'ai plus bougé d'ici. Je devais les aider. Pourquoi tu m'as pas dit ce qui se passait? Je voulais pas que tu changes tes plans. Ça n'aurait rien changé. Non, je te connais. Si je t'avais tout raconté, t'aurais jamais voulu partir. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Tu as réussi. La vie te sourit. C'est ce que je voulais pour toi. Je suis désolée, je... J'en savais rien. Non, t'as pas à t'excuser. Après tout, j'aurais pu t'écrire. Ou te passer un coup de fil, mais voilà. Wow. Tu faisais ce qui te tenait à cœur. Et je voulais pas te perturber. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si un simple merci est suffisant. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Simplement... Ça me fait plaisir d'être avec toi. De pouvoir enfin t'expliquer tout ça et... qu'on soit redevenus... de bons amis. J'espère. Oui, des amis. Ah, je crois qu'on devrait y aller. Oui, l'heure tourne. Exact. Moi, je trouve que notre bonhomme de neige l'emporte haut la main. Absolument. Je suis désolée de t'avoir tout balancé d'un coup. Non, au contraire, t'as bien fait de me le dire. Tout va bien. Et toi, qu'est-ce que t'avais à me dire? Oh, rien de très important. Allez, viens, on continue. D'accord. Alors, on a quoi? C'est la grande attraction, l'homme de la situation. Un héros qui apporte du bonheur, ses cadeaux viennent droit du cœur. Il distribue joie et chaleur. À ses côtés, faites une photo et ensuite allez déguster un chocolat chaud. Il a un manteau rouge, une barbe blanche. Il est sans doute coincé dans une cheminée. Ouais, on dirait qu'on a rendez-vous avec un personnage mythique. Ça me rappelle des souvenirs. C'est incroyable, on dirait que rien n'a changé. Ouais, bah, tu connais les gens d'ici. On respecte les traditions et on est attaché à notre histoire. Merci. C'est pour ça que tu travailles au musée? Ouais, ça doit être ça. Oh. T'as raison. L'histoire de la ville me passionne. Et j'aime encore plus la transmettre. On a monté plusieurs activités autour de l'histoire de la ville pour sensibiliser les habitants. Et l'année dernière, on a lancé des ateliers périscolaires en partenariat avec le comté. T'as pris la bonne décision en restant ici. Ouais, c'est possible. Allons faire la queue. Oui, c'est bientôt à mon tour. Salut les enfants. Bonjour Dustin. Est-ce que t'as rencontré quelqu'un après avoir frôlé le mariage? Ah, je suis pas sûr de vouloir te raconter. Pourquoi? Parce que j'ai passé une soirée avec Wendy Johnson. Mon ennemi juré au lycée, ça va pas, non? Je l'ai simplement invité à boire un café. Rien d'autre. Ensuite, j'ai pris conscience que c'était une énorme erreur. Ah. Je te revoyais après ton saut en longueur, t'étais si déçue. Et elle arrêtait pas de remuer le couteau dans la plaie. T'as pensé à moi en sortant avec elle? Bah, oui, mais ça n'a rien d'étonnant, c'était évident de le faire. Bien sûr. C'était ton ennemi juré. Ouais. Salut, Dustin. Hey, salut, Max. Vous venez voir le Père Noël? Ouais, mais attention, c'est un secret. Je vais te le confier, mais garde ça pour toi. Parole de scout. Super, alors figure-toi qu'on fait une chasse au trésor. Oh, trop cool. Ah oui, je te présente Belinda. Salut, ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Tiens, d'ailleurs, ce garçon participe aux ateliers périscolaires dont je t'ai parlé. Oh. Ah, et ton père, ça va? Il est ici? Oui, il est là. On est allé voir le Père Noël et je lui ai dit ce que je voulais. Ah. Et qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Que ma maman soit avec nous pour fêter Noël. Elle est dans un autre pays très loin et elle est militaire. Ah oui, je vois. J'espère que le Père Noël t'apportera ce que tu veux. Moi aussi. Joyeux Noël. Toi aussi, merci. Joyeux Noël. Ça, c'est le genre de vœu difficile à réaliser. À Noël, on voit parfois des miracles. Allez, c'est à nous. Oui. Bonjour. On peut faire une petite photo avec vous? Merci. Très bien. Ah, oui, Stiti. Merci. Super, merci. Et joyeux Noël à tous. Oh, j'adore ça. Je peux en avoir deux?
Oh, allez, encore très un. Bien. Merci beaucoup. Et ça y est, elle est envoyée. Alors, est-ce que voilà. Vous avez enfin réussi à vous réconcilier ou est-ce qu'on a une bataille de coq à gérer? N'essaie pas de nous déstabiliser. On tient le coup. Excusez-moi, je vais en profiter pour aller voir le père de Max. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr, ça va aller, on a tout le temps. Je dois te parler, ça urge. D'accord. Jason, mon cœur, tu peux aller me prendre un autre chocolat? D'accord. Merci, chérie. Mais il est plein. Tu crois? Allez, sauve-toi. C'est sympa. Je t'adore. Tu croiras jamais ce que Dustin vient de me dire. Raconte. Il dit que s'il ne m'a pas suivi à la fac, c'est parce que son père a perdu son travail et qu'il a dû rester ici pour aider sa famille. Alors ça veut dire qu'il t'a pas laissé tomber? Non. S'il n'a rien dit à l'époque, c'est parce qu'il ne voulait pas m'obliger à rester. Mais c'est incroyablement gentil. Et ça change tout. Comment ça? Ça prouve qu'il était toujours amoureux de toi. Il voulait pas te laisser tomber. Il s'est senti moralement forcé de rester. C'est tout à fait différent. Non, ça change rien, Faith. Comment tu peux dire ça? Mais parce que 10 ans ont passé entre temps et maintenant, je suis avec Logan. C'est loin tout ça. J'étais avec Gavin avant de rencontrer Jason. Et heureusement que je suis pas restée avec lui. Sinon, j'aurais jamais donné sa chance à Jason et je serais pas sur le point d'épouser celui dont je suis folle amoureuse. J'ai pas décidé de me marier avec qui que ce soit. Ça va. Mais un jour, ça viendra. Tu sais lequel tu choisiras. Comment tu veux que je réponde à cette question? Demande-toi si tu aimes encore Dustin. Écoute ce que dit ton cœur. Ça y est, j'ai réglé ce que j'avais à faire avec... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air de discuter d'un truc grave. Je racontais à Faith que tu avais failli sortir avec Wendy Johnson. Quoi? T'as failli sortir avec Wendy? C'est ce que je viens de te dire. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a pris? T'es dingue. Bon, on y va. Quand même pas oublier qu'on est en pleine chasse au trésor avec cette épreuve oui, à passer. Oui, c'est très intéressant avec tous ces problèmes à résoudre, ces recherches et ces révélations. Je trouve ça très instructif. Bien sûr, 5 sur 5, ça ira. Amusez-vous bien, à tout. Faith a l'air très sûre d'elle cette année. Oui, ben nous aussi. Passons à la suite. Très bien. Attention, tiens-toi prêt à agir, ça n'a rien d'une corvée, c'est un plaisir. Est-ce qu'un voisin a besoin de tes offices? Pousse la porte et propose tes services. La voie est tracée, entrez les solidarités, ouvre ton cœur, n'aie pas peur, donne à la vie un peu de douceur. C'est vraiment pas précis. Non. Je pense que pour cette épreuve, on doit se débrouiller tout seul. D'accord, un plaisir, offrir ses services, être sympa, donner un coup de main. Ah oui, mais il faut rendre un service. Est-ce que ça veut dire que l'épreuve consiste tout simplement à prouver qu'on a rendu service à quelqu'un? S'il vous plaît, tous les chocolats chauds, c'est pour moi. Merci. Oui, d'accord, sauf que techniquement, c'est juste un acte de générosité. Donc je crois qu'on n'a pas réglé la question, mais j'ai une idée de ce qu'on peut faire à la place. Et je te signale que tu as offert un chocolat chaud à tout le monde, sauf à moi, donc tu peux bien... Oups, j'y vais tout de suite. Avec de la guimauve en plus, merci beaucoup. On nous demande de rendre service à quelqu'un. Alors, autant retourner chez James et l'aider à décorer sa maison. Voilà, on voit que c'est Noël maintenant. Ah, c'est très gentil de votre part. Tenez, j'ai des biscuits à vous proposer. Merci. Et vous, James, qu'est-ce que vous avez prévu pour le jour de Noël? Eh bien, je vais me préparer un peu de poulet avec des légumes et une bonne sauce. Je vais déjeuner tranquillement et puis j'écouterai des chants de Noël en lisant un bon bouquin. Vous savez, je fête Noël chez mon père cette année, vous pourriez vous joindre à nous? Non, je ne veux pas m'imposer à votre famille. Non, vous ne vous imposerez à personne. Il y aura seulement nous deux, donc on sera ravis d'avoir un invité. Ça me paraît très tentant. Je me joindrai à vous très volontiers. Super. Alors, quoi de neuf en ville? Voyons, vous connaissez le musée? Oui. J'ai fait des dons à l'époque de sa construction. Aujourd'hui, le bâtiment a grand besoin d'être rénové. Donc cette année, les fonds qui seront collectés via la chasse au trésor seront versés en totalité au musée. Je m'en réjouis. Peut-être que j'irai voir ce que ça donne une fois les travaux finis. Eh bien, je sais pas si... Ça se passera peut-être pas comme ça. Quoi? Désolée, je savais pas très bien comment te le dire. On m'a demandé de prendre contact avec l'agent immobilier de Deerfield puisque je venais passer Noël ici. Tim Coggins? Son agent s'occupe de la filature et du musée. Ouais, et alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? L'exploitation du site ne rapporte plus assez, il croule sous les dettes et la seule solution, c'est de vendre. Et... Ils vont vendre à un de mes clients. C'est terrible. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée, Dustin. La vente est prévue pour quand? Avant la nouvelle année. Et... Ils vont démolir tous les bâtiments? J'en sais rien. Mais j'ai bien peur que ce soit ce qui arrive. Je suis sincèrement désolée. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour changer les choses, je le ferais, mais... Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je me dis qu'un miracle peut encore se produire d'ici là. La preuve, regardez-moi. Je ne m'y attendais pas et me voici avec deux jeunes gens qui apportent de la vie et une ambiance de fête chez moi. Alors, gardez confiance. On ne sait jamais ce qui peut se passer à cette époque de l'année. «
Les décorations extérieures font aussi beaucoup d'effets. On a bien travaillé. Ouais. Belinda, pourquoi tu m'as rien dit à propos de la vente du musée? Je savais que tu serais bouleversée. Oh, je veux surtout pas que tu croies que ça m'est égal. Je suis aussi bouleversée que toi. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Et si le fait de refuser ma promotion te permettait de garder ton boulot et si ça empêchait la démolition du musée, je refuserais tout de suite. Je sais que t'y es pour rien. C'est juste que ça fait beaucoup à digérer. Il semble qu'on se retrouve tous les deux avec un tas d'informations surprenantes à digérer. Tu sais, tu es une des meilleures personnes que je connais. Regarde tout ce que t'as fait ici. J'étais pas seule, on était deux. On fait une bonne équipe. On fait une très bonne équipe. Waouh, on fait de sacrées découvertes durant cette chasse au trésor. Et on n'en est pas encore à la moitié. Ah, t'as eu le message. Je me demande quelles nouvelles révélations vont nous tomber dessus. C'est une construction de dimensions réduites, mais les ingrédients en font une vraie réussite. Les finitions ne sont pas un jeu d'enfant, mais le glaçage rend le tout très élégant. Les façades et le toit sont d'un brun doré chaud comme le bois. Une fois le travail fini, on va s'en lécher les doigts. Là, c'est clair, on doit faire une maison en pain d'épices. Miam. Papa? Tu es là? Il a dû rester à la salle des fêtes. Oui, on a toute la cuisine pour nous. Je vais d'abord aller me changer. En attendant, je sors les courses. Non, rien, c'est juste que je trouve que le rouge te va très bien. D'ailleurs, ça me rappelle la couleur d'une de tes robes, celle que tu portais au bal de promo. Ah oui, c'était plutôt mémorable comme soirée. Ouais, c'est ce soir-là que j'ai réalisé que je pouvais pas aller faire mes études avec toi. Tout est prêt, j'ai tout sorti. C'est bon, on peut y aller. Oui, sauf que j'ai pas fait ça depuis un siècle. Au boulot. Attends. Comme ça. Ça devrait tenir. Ouais. Je vais tout casser. Non mais enfin, laisse-moi faire. Je sais pas pourquoi tu m'empêches d'y toucher, c'est... C'est pas beau ça. Ça, tu meurs de faim, tu t'es gavé de friandises. Ça me remplit pas l'estomac. Et si on allait boire un café en ville? On est à mi-parcours et j'ai besoin de prendre des forces pour continuer. Bon, d'accord. Mais on va vite faire un selfie avant de partir. D'accord. Prête? Et voilà, c'est fait. C'est parti. Alors, c'est le premier endroit de la ville qui a complètement changé depuis mon départ. Ouais, c'est Jenny qui a entièrement refait le resto. Je rêve. Regarde, le savoureux chili de Noël du chef Karl. Karl, mon père? Ouais, on dirait qu'on n'est pas les seuls à aimer son chili. J'imagine très bien cet oiseau perché sur ta tête. Tiens, papa. Coucou, ma chérie. Alors, comment ça se passe? Vous avancez bien? Oui, on avance bien. Vous savez, votre fille est très douée pour les jeux de piste. Est-ce que je dois comprendre que c'est ta fille? Oui. Oh, oui. Oh, j'ai tellement entendu parler de toi. Ah, enfin, quand il ne parle pas de cuisine.
Je m'appelle Jenny. Ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup la nouvelle déco. Jenny a transformé ce simple café en palace. Tu devrais passer dans cette émission télé. Ça s'appelle comment déjà? L'art de la cuisine? Oh, sois plutôt... pas idiot. Je serais pas à l'aise devant toutes ces caméras. Mais toi, tu auras plein de trucs à dire. Ah, mais est-ce que tu insinues que je suis trop bavard? Peut-être bien, oui. Tu ne veux pas rester à la salle? Si, mais pour le déjeuner, je pensais apporter aux bénévoles une bonne portion de chili. Ah, et si vous aussi, vous voulez y goûter? Je vous conseille de le dire tout de suite, parce qu'en cuisine, il n'en reste que deux assiettes. J'aimerais bien le goûter. Et toi? Oui, très volontiers. Super, allez-y. La maison vous offre le déjeuner. Oh, merci, c'est très sympa, ça. À plus. Bon, je ferai mieux de me dépêcher, sinon ils vont mourir de faim. Bon appétit et bonne chance. Merci, papa. Et voilà. Deux bols du savoureux chili de Noël du chef Karl. C'est très chaud. Magnifique. Ça sent très bon. Ton père est un vrai cordon bleu. Le jour où il m'a préparé son fameux rôti en sauce, c'était inoubliable. Vous allez vous régaler. Merci. T'as entendu ça? Il lui a fait goûter notre rôti en sauce. On n'a pas de chanson à nous, mais on a un rôti non en mais sauce. T'as rien capté? Papa et Jenny sortent ensemble, c'est clair. Non. Tu crois? Non mais tu plaisantes. T'as vu la façon qu'elle avait de lui parler en lui tenant le bras? Quoi, un peu comme tu fais en ce moment? Ah, ah. Pourquoi il m'en a pas parlé? Il a peut-être peur de la façon dont tu pourrais réagir. Ça peut être perturbant de voir son père dans une nouvelle relation. J'imagine. C'est trop bon. Ils forment une belle équipe. D'ailleurs, simple curiosité, t'en penserais quoi si ton père était avec une autre femme? Je trouverais ça super. Tu sais, tout le monde mérite une seconde chance en amour. Ouais. Je suis d'accord. Oh. Alors, quel est l'indice suivant? Ah non, c'est un texto de Logan. Il a eu son avion. Ah bon? Super, c'est cool. J'y crois pas, vous êtes assis à la même table qu'avant. Encore vous? Salut. Ça alors, j'avais pas remarqué. Commande un milkshake et partage-le comme un bon vieux temps. D'ailleurs, ils font un milkshake à la fraise à tomber par terre. Impossible de résister. Mon chéri, tu veux bien aller nous chercher deux hamburgers spécial Noël, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Et un milkshake à emporter. Ça roule. Merci, mon cœur. Alors, vous en êtes où? Nous, on en est à la moitié. Nous aussi. Et Logan est dans l'avion où il arrive. Ah, il a réussi à se libérer? Oui, il a pris le premier vol. Génial. C'est une excellente nouvelle. Pas vrai? Ouais, c'est cool. Ah. On a le même message? Je crois. C'est tout un univers, parfois il est la tête à l'envers, à un traîneau il est attelé, son chemin est tout tracé. Tous ne vivent pas sous verre, mais son monde à lui tient dans une sphère. On y voit clairement à travers. Quand on le secoue, il pleut des flocons et des paillettes sur ses bois, ce n'est pas de l'eau, ça se voit. Une boule à neige. Jason, commande-toi. Non, une autre boule de chili. On n'a pas le temps, dépêche-toi, on a du pain sur la planche. Allez, en route. Merci. Bouge. Est-ce que ça veut dire qu'on doit trouver n'importe quelle boule à neige? Non, pas n'importe quelle. On a un traîneau, il est attelé, son chemin est tout tracé. Il y a un renne dans la boule. S'il y a un endroit où on peut en trouver, c'est au magasin d'antiquité. Bonne idée. Mais d'abord... Hé! C'est un bon remontant. C'est exactement ce qu'on recherche. Waouh! Ces univers miniatures ont vraiment quelque chose de magique. Ouais. Regarde comme cette église est faite dans les moindres détails. Attends, c'est pas un renne, là? Non, c'est un cheval. Ah ouais. Personne va remarquer ce détail. Tu veux faire la même erreur que Face il y a 10 ans? Non. T'as raison, je vais demander s'il y a d'autres modèles. Ok. Superbe. Mon père en a offert un à ma mère pour leur un an de mariage. Il y avait une photo d'eux placée à l'intérieur. Elle le quittait jamais. Jamais. Ouais, je m'en souviens très bien. La vendeuse dit qu'elle n'en a pas d'autres en stock, mais j'ai appris un truc intéressant. Il y a une dame qui habite tout près d'ici et qui a toute une collection de boules à neige. Et cette femme, c'est Madame Murphy. Madame Murphy, notre prof de musique au lycée? Ouais, en personne. C'est pas vrai. Elle était toujours gentille avec moi, même si je chantais faux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Allons lui rendre visite. Au revoir, merci. Au revoir. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on fait si Madame Murphy n'a pas de boule à neige avec un renne? Qui ne tente rien n'a rien. On verra bien ce qu'elle nous dit. Tu te souviens quand elle nous a trouvés planqués dans le gymnase, après les cours? Oui, pendant un mois, j'ai été privée de sortie. Je crois que ça valait le coup, non? J'en sais rien. C'était pas le soir où on s'était juré de quitter Deerfield ensemble? Si j'avais pu faire autrement, je t'assure que je l'aurais fait. Parce que... Quoi? Belinda et Dustin, quelle surprise! Patricia m'a prévenu que vous alliez passer me voir. Venez entrer. Vous savez, la dernière fois que je vous ai vus ensemble, je crois que c'était quand j'encadrais le bal de promo. Ah, vous alliez si bien ensemble, j'ai toujours su que vous étiez fait l'un pour l'autre. Non, on n'est pas... Ensemble. Dommage. Elles sont vraiment très belles. Où est-ce que vous les avez trouvées? Tous les étés, dès que les cours étaient finis, je partais en voyage. À chaque étape, j'en achetais une. Celle-ci vient de Prague et celle-ci vient des îles Canaries. Ça alors? Je vous aurais jamais imaginé en globe-trotteur, Madame Murphy. Margaret. C'est normal. Les élèves voient toujours leurs profs comme des distributeurs de devoirs. Patricia m'a dit que vous vouliez une boule à neige avec un renne, comme celle-ci. Ouais, parfait. On dirait le renne du Père Noël. Merci. Tu veux bien le tenir? Le temps de prendre une photo. Bouge plus. Voilà, c'est bon. Merci. C'est gentil, merci. Je vous en prie. Alors, Belinda, qu'est-ce que tu as fait après le lycée? Je suis allée à l'université et maintenant je travaille chez Jasper Development. Et vous vous êtes retrouvée pour faire la chasse au trésor? Non, les équipes sont faites par tirage au sort. Ah. Ouais. C'est le hasard. Ouais. Ouais. Ah, celle-ci, je la reconnais. Elle était sur votre bureau au lycée, non? Oui, absolument. Et tenez, je vous en fais cadeau. On ne peut pas l'accepter. Bien sûr que si, voyons, je dois faire de la place pour d'autres boules à neige. J'insiste. Merci. Avec plaisir. Je vais vous donner un sac. Jolie boule. Ah, non, décidément, j'y arrive pas. À quoi? À l'appeler par son prénom. Bon, alors... C'est quoi la suite? Voyons. C'est l'époque de la cueillette des puzzles, des gadgets et des jouets. Le jour où le regard des enfants va s'illuminer, que ce soit un livre, une poupée ou un train, la joie que vous leur apporterez sera sans fin. Laissez tomber fringues et accessoires, remplissez boîtes et paniers. N'oubliez pas, le temps joue contre vous, faut pas traîner. On dirait qu'on va avoir une montagne de jouets à distribuer. Logique. On va au magasin et ensuite retour à la salle. Magique. J'ai l'impression d'être le Père Noël. Quel est le plus beau cadeau de Noël qu'il t'a apporté? Sans hésitation, ma trottinette. En plein hiver? Oui, mon père déblayait l'allée en hiver pour que je puisse rouler partout avec ma trottinette. Et toi alors? J'aimais les petits cadeaux. Les choses qu'on trouvait dans les chaussettes de Noël. Ah ben voilà, ce genre de truc. Des jouets miniatures. C'était toujours ceux-là que j'avais hâte de déballer en premier. Eh bien, peut-être qu'un jour, je t'offrirai un petit cadeau dans une boîte géante pour te piéger. Les plus beaux cadeaux sont dans des petites boîtes. Oh, désolé, je reviens tout de suite. Pas de soucis. J'ai vu ça. Il y en a des quantités. Ça va faire le bonheur d'un tas d'enfants cette année. Toi, t'avais l'air très heureux à midi quand on s'est croisés chez Jenny. Hein? Fais pas cette tête. Je sais que tu l'as invité à dîner. Oui, je comptais aborder le sujet avec toi un de ces jours pendant les fêtes. Je la trouve très sympa, en fait. Et vous avez l'amour de la cuisine en commun. Oui, c'est vrai. J'aimerais être sûr que tu n'as rien contre. Absolument rien. Tu te souviens de ce qu'on disait? Il faut savoir profiter de la vie et je pense qu'on devrait fêter Noël comme on faisait avant. J'ai plus envie de me cacher dans mon petit appartement. Et si ça implique que Jenny soit là avec nous, alors invite-la. Merci, ma puce. Ça tombe bien, justement, je me disais qu'elle était seule pour les vacances et que ce serait gentil de l'inviter le jour de Noël. Surtout que j'ai préparé mon fameux rôti en sauce. Tu vas tourner chez les babines. J'espère que t'en as prévu un grand parce que j'ai en quelque sorte invité aussi James Brock qui était tout seul. T'es bien la fille de ta mère. Je t'aime. Tu as parlé de la vente du musée à Dustin? Ouais, c'est fait. Et t'avais raison. Il ne m'en veut pas. Super. Alors... Peut-être que je devrais préparer une énorme casserole de sauce. Arrête avec ça, s'il te plaît. Ce coup de fil t'a fait plaisir, apparemment. C'était quoi? Je prépare une surprise pour quelqu'un à Noël. Et pour quelqu'un que tu aimes bien? Ouais, on peut dire ça. Je vois.
pour Wendy Johnson. Oh. Ah, voilà l'indice suivant. Choisissez votre interprétation, utilisez votre imagination. Cette tâche n'a absolument rien d'un jeu, c'est du sérieux. Il va falloir assurer. Le souhait le plus cher d'un jeune garçon devra être réalisé. Ce n'est pas des plus évidents, mais tout le monde sera content. Ceci n'est pas facile. Apparemment, il faut faire plaisir à un enfant. En plus, il précise, ça n'a rien d'un jeu. Et aussi, choisissez votre interprétation. Quoi ? Avec la surprise dont je te parlais tout à l'heure, on ferait d'une pierre deux coups. Une bonne action et une bonne réponse pour le jeu. Non, attends, on vient de recevoir l'indice, ce serait pas de la triche. Non, mais de toute façon, je comptais le faire. Je savais pas que ça collait avec notre indice. Alors c'est le destin. Est-ce que c'est pas ce que Noël nous réserve? Des surprises? Des moments magiques? Ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, ça vaut mieux. Viens. Viens, on en aura bien besoin. Ravi de tous ces cadeaux. Allez, rentrons, on commence à avoir froid. Ah, je le vois, il est là. Oh, bonjour, Dustin et mademoiselle Belinda. Salut. Alors, Max, qu'est-ce que tu fais encore ici? T'as oublié de faire une commande au Père Noël? Non, mon père dit qu'il y a déjà un cadeau qui m'attend ici, mais pas au pied du sapin. Ah, bah c'est super. T'as sûrement été très sage cette année. J'ai essayé. J'ai même partagé mes jouets avec Sarah Parker, même si elle arrête pas de me courir après à la récré. Je crois que ça veut dire qu'elle t'aime bien. Oh non! Je vais te dire un truc. J'arrêtais pas de l'embêter à la récré. Et un jour, elle est devenue ma petite amie. C'est toujours ta copine, Dustin? Plus maintenant. Non. Mais je l'ai été. Il y a longtemps. Oh. Tu comprendras quand tu seras grand. Je crois que c'est le moment de recevoir ton cadeau. Hein? Comment? Oh, l'armée fait partie des donateurs les plus fidèles du musée. Ça remonte à des années. J'ai passé des coups de fil ici et là, j'ai expliqué la situation et... finalement, ça a payé. C'est fantastique. On sait tous à quel point c'est important de fêter Noël avec ceux qu'on aime. Ça va, mon chéri? Tu es content que tu sois là? Tu as offert à cette famille un cadeau qui n'a pas de prix. Oh. Ah, ça y est, j'ai un message. Énigme suivante. Vous vous transformez en marmiton afin de suivre une délicieuse tradition. Vos créations prendront vie avec des formes amusantes et il faudra du beurre en quantité suffisante. Le glaçage est alléchant et se décline en plusieurs couleurs. Rouge, vert, bleu, jaune et blanc, vous ne résisterez pas à mordre dedans. On doit faire des sablés de Noël. Génial. Alors, chez moi ou chez toi? T'as du papier sulfurisé. Allons chez mon père. Je suis sûre qu'il a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Très bien. Ça alors, t'as encore ce porte-clés? Celui-ci? Ouais. Bien sûr. T'as pas gardé certains des cadeaux que je t'ai faits quand on était au lycée? J'étais au fond du trou, Dustin, et... il fallait que j'oublie toute notre histoire, si je voulais m'en sortir. Ouais, c'est... Oui, bien sûr, je comprends. C'est pour ça que je m'en veux tellement de ce qui s'est passé. Logan? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te l'ai dit, j'ai sauté dans le premier avion et j'ai atterri il y a une heure. Mais je t'ai envoyé par mail toutes les infos. Ah oui? Ça fait quelques heures que j'ai pas vérifié mes mails. Hein? Salut. Logan, voici Dustin. Mon... on a grandi ensemble. Un vieil ami, alors? Oui, en quelque sorte. T'as besoin d'un coup de main pour les bagages? Oh non, je n'ai que le strict nécessaire. Je reste pas très longtemps. Ah, je vois. On allait entrer, on doit faire de la pâtisserie. De la pâtisserie? Viens, on entre et je vais tout te raconter. Alors, il faut du beurre, des œufs et quoi d'autre? Pardon, excuse-moi. Beaucoup, ma chérie. Wow. J'ai les œufs. Il faut de la farine et de la vanille. Super, c'est très sain. C'est vrai que
Il n'y a pas de légumes frais dans les sablés de Noël, mais on les fait pour une bonne cause. On dirait que tu sais te débrouiller dans une cuisine. Ouais, en fait, j'adore ça. On fait des sablés pour la chasse au trésor de Noël, c'est la tradition. Ah, je vois. D'accord. Et les équipes, elles sont faites comment? Oh, ça, c'est un pur hasard. Par tirage au sort, on tire les noms d'un chapeau. Ah, bien sûr, oui. Je vois. Elle dure combien de temps, cette chasse au trésor? Seulement une journée. Ça commence à 8h et ça finit à minuit. Je pensais que tu bossais pour clore la vente d'une propriété du coin. Un vieux bâtiment? J'ai fait ce qu'il fallait. Il ne reste plus qu'à attendre que le propriétaire accepte l'offre qu'on lui a faite. Donc j'ai tout le temps de faire de la pâtisserie. Ça te dit de nous donner un coup de main? Ouais. Pour faire quoi? Les sablés de Noël. Oh, mais le souci, c'est que je crois pas que je suis très doué pour ça. Oh, mais... c'est pas si compliqué. Tiens, tu vas commencer par mélanger. Allez, viens. Oh, et je te conseille d'enlever ton veston. Bon, voilà. D'accord. Et Logan dans la cuisine, c'est une première. Oui. Première étape, on coupe le beurre en petits morceaux. Très bien. Et le sucre? Puis on le verse dans un récipient. Il est... Il est là-bas. Ah, attends, je sais où il est. Quoi, tu l'as déplacé? Mais non. Il a toujours été ici. C'est quoi? Ah si, j'ai raison. Alors, je vais ajouter le sucre qui est là. Ouais. C'est ça. Je prends une cuillère de sucre. Débrouille comme un chef. J'en ajoute encore une. Oui. Pourquoi pas, plus c'est sucré, plus c'est bon. D'accord, voilà, j'y suis. Je mélange. Super, oui, oui, vas-y, à toi de jouer. La spatule, oui, ça va, je l'ai. Il faut être énergique. Voilà, génial. C'est parti. Ah, là, il va falloir y mettre un peu plus d'huile de coude. Super, t'as le coup de main pour ça. Ah oui? Ouais. Ah, ça y est, hein, je m'en sors. Oh. Oh. C'est ta cravate en soie? Ouais, elle vient d'Italie. Ah. Elle doit pas être bon marché. Elle est tissée à la main. Attends, laisse-moi voir. Non, ça va, il vaut mieux que je le fasse. Je vais essayer d'enlever ça. Je suis sûre que ça va partir. Comment? C'est du beurre, ça partira jamais. Oui, je sais, mais j'essaie de rester positive. On n'a pas fini et il nous reste que quelques heures avant le signal de la fin. Il est sympa, dans son genre. Il est très gentil. Il a vraiment beaucoup de travail et il est quand même venu. Je trouve ça assez normal qu'il soit là pour Noël. C'est quand même dommage de travailler ce jour-là, non? Mais je suis content que tu tiennes à finir la chasse au trésor. Même avec... Je compte pas abandonner. Je laisse jamais tomber mes partenaires. Allez, mets un peu plus d'huile de coude. Voilà, terminé. Ça va le faire. Ah, ça y est. C'est la dernière énigme. Vas-y. Alors, revenez là où tout a commencé. Votre rôle est bientôt terminé. Empoignez le micro et montez sur la scène. Vous pouvez sauter et chanter à tue-tête, vous interprétez un air de fête. C'est un duo, attention, en refrain. Vous connaissez par cœur les paroles, allez-y avec entrain. Je sens que c'est parti pour un karaoké. C'est une première dans la chasse au trésor. Je suis ravie que tu sois dans mon équipe, tu chanteras pour nous deux. Et non, malheureusement, pour tous ceux qui seront là, c'est un duo, donc il faudra que tu chantes aussi. On verra. Oh, je te rejoins tout de suite à la voiture, d'accord? Oui, bien sûr, j'y vais. T'as réussi à enlever la tâche? Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Dès notre retour, je ferai un nettoyage complet. Ah. Je vais devoir raccourcir mes vacances. J'ai une réunion prévue le 26 décembre. Si tôt que ça, après Noël? J'en ai peur. Les festivités seront terminées, mais qu'est-ce que c'est que ce réseau? On capte rien. Mais on avait décidé de rester au moins jusqu'au 28, tu te souviens? Oui, mais au boulot, c'est la folie. Tu sais ce que c'est? Attends, j'aimerais qu'on puisse... Ah, allô, Morgane? Il est d'accord sur les conditions? Non, faut pas accepter. Non, j'ai jamais proposé 30%. On se retrouve à la salle des fêtes, d'accord? Non, c'est non. Écoute, je jette un œil là-dessus et je te rappelle au plus vite. Et Logan? Il nous rejoint à la salle. Tout va bien? Très bien! Pourquoi? Le truc, c'est que t'as tendance à t'empiffrer quand y a un problème quelque part. Tout va bien, en route. Si tu le dis. C'est ton père qui est sur scène? Oui, c'est lui le DJ. Il est temps de chanter, c'est parti! Il se débrouille pas trop mal, en fait. Est-ce que vous avez choisi votre chanson? Moi et Jason, on va interpréter le premier Noël. On a beaucoup travaillé pour être au point. Je dis ça, je dis rien. Oh, vous avez répété? Ça va aller, t'inquiète pas.
On pourrait faire les 12 jours de Noël. C'est une comptine, seulement il faut la chanter. On a résolu toutes les énigmes, alors autant essayer de finir en beauté. Maintenant, le couple numéro 2. Et mes amis, on a de la chance. Car ce soir, on a une invitée spéciale, elle s'appelle Belinda, et elle fait équipe avec Dustin. Venez par ici, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez chanter? Les 12 jours de Noël. Les 12 jours de Noël. Très bien, vous écoute. Allez-y. Wouhou! Dirk, il a trouvé son duo d'enfer. Bonsoir. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. C'était super. Alors t'es venu? Oui, excuse-moi pour tout à l'heure, je pouvais pas rater cet appel. Oui. Oh, Dustin et toi, vous étiez magnifiques. Vos voix se marient toujours aussi bien. On s'est bien amusés. Voici Logan. Logan, voici Faith et Jason. Ah, j'avais hâte de te rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment solennel où on va découvrir le vainqueur. Mais d'abord, faites du bruit pour tous les concurrents de la chasse au trésor. Ils ont tous été extraordinaires. Merci, on les applaudit très fort. C'est pas une mince affaire de désigner les vainqueurs. C'était très serré. Mais ce soir, les champions sont Faith et Jason. Rejoignez-moi sur scène, vous avez été formidables. Beaucoup plus forts que les autres. Applaudissez-les. Toutes mes félicitations à vous deux. Merci. L'équipe numéro 2 sur le podium, c'est Dustin et ma fille bien-aimée. Ah, ça alors. C'était pas si serré que ça. L'essentiel, c'est de participer et de s'amuser. On a tous bien rigolé. Je t'aime très fort. Grâce à la générosité de nos sponsors, on a réuni 15 000 dollars pour le musée du textile. 15 000 dollars pour rénover le musée, c'est une belle somme. Merci à tous, c'est fantastique. Merci à toi, ma fille. Merci et bravo. À vous deux aussi. Et c'est pas fini. La fête continue et on va s'éclater. 15 000 dollars, c'est... C'est vraiment génial. Sauf que c'est pas assez pour sauver le musée. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Il me semble que t'as essayé. T'as fait ce que tu pouvais, tu... T'as continué la chasse au trésor, malgré le conflit d'intérêts que ça provoquait. T'as essayé de le sauver. Attendez, est-ce que j'ai bien entendu? Toutes ces festivités, c'est pour collecter des fonds pour sauver le fameux bâtiment dont tu dois assurer la vente? C'est de la folie douce tout ça, Belinda. Je crois pas, non. J'ai pas envie que la vente se fasse, ni que le musée soit démoli. C'est vraiment un élément important de l'histoire de notre ville. Si la vente se fait, tu auras ta promotion. T'as oublié ou tu t'en fiches? Je vous laisse. C'est pas ça le plus important. Je crois qu'il y a des choses bien plus importantes que ça à mes yeux. Toute cette joie et ce partage. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre attention? Merci. Parmi vous, il y en a certains qui savent qui je suis, tandis que d'autres n'ont pas entendu parler de moi. À vrai dire, je ne sors pas souvent de chez moi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir la visite de deux personnes sympathiques qui ont pris le temps de boire un café et de bavarder. Ils m'ont offert un sapin de Noël et m'ont apporté un peu de la joie de Noël. Ils sont là et je les en remercie. Ce sont eux qui m'ont appris que notre musée traverse une mauvaise passe financièrement. Cette nouvelle m'a attristé, parce que ce lieu est cher à mon cœur, comme il l'est sans doute pour beaucoup d'entre vous.
Mais les problèmes sont tels qu'on envisage maintenant de le vendre. Non, attendez, il n'y a justement plus de soucis à se faire parce que je me suis engagé à verser les fonds nécessaires, quels que soient les besoins, pour garder le musée et lui permettre de fonctionner encore pendant de nombreuses années. Bonne fête et joyeux Noël à tout le monde. Hey, bravo. Tout ça, c'est grâce à toi parce que t'as voulu aller le voir, t'as sauvé le musée. Non, c'est grâce à nous. On a sauvé le musée. Je dois y aller. Si on se revoit pas avant mon départ, je voulais te dire... passe de bonnes fêtes. Ah, oui, merci. Joyeux Noël. Pourquoi tu la laisses partir sans rien dire? Parce que ça dépend pas de moi. Plus t'arrives pas à dormir. Trop d'émotions ce soir. Oui, il y a de quoi. C'est pas tous les jours qu'on a un miracle de Noël. Alors, Logan et toi, vous repartez déjà le lendemain de Noël? Je vais devoir prouver que je suis quelqu'un de compétent, même si je n'ai pas conclu la vente. T'as rien à prouver à qui que ce soit. Dans la vie, il n'y a pas que le travail qui compte. Il y a plein de choses. Il y a moi. J'ai l'arbre. Il y a Dustin. Je n'ai jamais aimé aucun homme autant que je l'ai aimé. Mais ça, c'est le passé. J'ai tourné la page. Tu sais, je n'ai jamais aimé aucune femme comme j'ai aimé ta mère et je l'aime toujours. Quand elle est partie il y a 10 ans, je me suis dit, c'est fini. Ensuite, j'ai rencontré Jenny et j'ai senti que mon cœur battait plus vite, mais elle, elle est toujours là. Ne ferme pas ton cœur, tu as encore beaucoup d'amour à donner. Le cœur a toujours raison. Écoute ce qu'il a à te dire. Allez, ma fille. J'adore ça. Bonjour. Logan, je crois qu'il faut qu'on parle. Je sais qu'on s'entend bien et on a toujours pu compter l'un sur l'autre, mais j'ai le sentiment que c'est pas suffisant. Mais c'est la faute de personne. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Le fait de revenir a remué plein de souvenirs. Je te comprends. Vraiment, je t'assure. Et j'espère que tu comprendras que... j'ai aucune envie de vivre ici. C'est vrai, c'est sans doute un coin génial, mais... j'ai des projets, et ça se fera pas ici. Je n'ai aucune envie que tu y renonces. Et j'ai aucune envie que tu laisses tomber ce qui compte pour toi. Merci, Logan. Bonne chance. J'appelle un taxi. Attends, Logan. Essaie de passer un vrai Noël. Pas au bureau, ni au téléphone. Tu devrais aller voir ta sœur, même si ce n'est que pour une journée. Crois-moi, ça en vaut la peine. Il se peut que je suive ton conseil. Joyeux Noël, Belinda. Joyeux Noël. Salut. Ah tiens, salut. Je suis désolée qu'on ait perdu. Je t'ai apporté un bol du chili de Carl pour te remonter le moral. Merci, c'est très gentil. Je suis pas sûr qu'on ait perdu. En fait, je crois qu'on a gagné. T'es pas d'accord? Regarde, si on examine ça de près, on a trouvé un sapin, on a aidé un voisin à retrouver sa bonne humeur, on a réuni une montagne de beaux jouets pour les enfants. Tu as apporté à un petit garçon le cadeau dont il rêvait. Et toi, tu as sauvé le musée. Mais le plus beau cadeau de cette chasse, c'est que je l'ai faite avec toi. J'ai rompu avec Logan.
J'ai essayé pendant si longtemps d'oublier ton existence. Je me suis plongée à fond dans le boulot. Et j'ai plus remis les pieds ici. Quand tu m'as dit la vraie raison qui t'a empêchée de me rejoindre, tout à coup, tout a changé. Je t'aime, Dustin. Je t'ai toujours aimé. Et je pense que je t'aimerai toujours. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, si tu savais. Voilà, tout est prêt. Je vais vous aider à table. Wow. Papa est servi. Et c'est bien tout, c'est encore. Oh. On va se régaler. Il y a un énorme pot de sauce pour nous et une petite saucière rien pour toi. Non, sérieux? Oh, merci, c'est le plus beau repas de Noël de ma vie. James? Oui? À vous de découper le rôti. Oh non, je préfère pas. Ça fait si longtemps allez, que j'ai... Venez par ici, venez par ici, plus vite que ça. C'est très bien, il n'y aura aucun problème. C'est toujours la même chose. Venez par ici. Tenez, voilà vos outils. Qu'est-ce que c'est? Le seul moyen de savoir, c'est de l'ouvrir. C'est plus petit qu'un habit de poupée, ça se glisse tout au fond d'une chaussette. Et pour l'ouvrir, il y a une porte et une chaînette. Il se cache quelque part au milieu des boules de Noël. Je pensais que la chasse au trésor était finie. Eh bien, elle n'est peut-être pas tout à fait terminée. Quelque chose qui ira se glisser tout près de ton cœur. Quelle meilleure place pour toi et moi. L'endroit parfait pour toi et moi. Il te plaît? Je l'adore. Joyeux Noël, Belinda. Joyeux Noël, Dustin.